Bonjour, une petite vidéo pour les sportifs. Je vous propose ici un petit exercice pour renforcer le centre du corps et les fléchisseurs de hanche. Avant, je vous présente rapidement, je suis Fabien, fondateur de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement en vidéo pour entretenir ou améliorer votre mobilité. Voici donc un petit exercice pour renforcer efficacement le centre du corps ainsi que les fléchisseurs de hanche. C'est vraiment un exercice qui s'adresse aux sportifs. Si vous êtes sédentaire, si vous êtes assis toute la journée, ne faites pas cet exercice. Vous aurez besoin d'un mini élastique, d'un tapis bien sûr. On y va, je vous propose de faire cette séance avec moi. On va venir placer l'élastique entre les deux pieds. Hop, tac. On va venir se mettre allongé sur le dos, donc attraper un genou, descendez tout doucement sur le côté. On va maintenir une position neutre au niveau du centre du corps, c'est-à-dire on ne plaque pas le bas du dos au sol, on garde un creux lombaire, vous allez serrer votre ceinture, hop, trois crans, et on va essayer de maintenir la position bien sûr. Soit vous gardez la tête au sol, ou alors vous pouvez décoller les deux épaules légèrement et la tête, mais gardez bien ce creux lombaire, d'accord? L'exercice va consister à allonger les jambes, à maintenir ce creux lombaire, hop, vous pouvez avoir les bras le long du corps, et on va simplement, hop, de façon dynamique, amener un genou ici vers la poitrine. On inspire, expire, on ramène. D'accord? On lance là, on se fait ça 4 fois de suite. On y va, on se place. Donc vérifiez votre creux lombaire. Vous serrez votre ceinture. 1, 2, 3. Hop, 3 crans. On resserre la taille. Et pour aller plus loin, on peut engager le plancher pelvien, le stop pipi, le stop gaz. On allonge les jambes. On inspire. Hop, c'est parti. Expire. Inspire, on allonge, expire, option, la tête au sol, inspire, et dynamique, on amène le genou vers la poitrine, et on maintient bien, hop, ce creux lombaire, on allonge les jambes à chaque fois, parfait, on ramène les genoux poitrine, on pose les deux pieds au sol, vous pouvez allonger même vos jambes, vous détendez complètement, c'est moi qui gère le chrono. Il reste 5 secondes, on fléchit les jambes, on se replace, creux lombaire, on allonge les jambes, inspire, on se place, c'est parti. Tac, inspire, on allonge, souffle. Vérifiez bien que vous ne plaquez pas le bas du dos au sol. Tac, et souffle. Inspire, et on amène genou poitrine, souffle. Parfait. On repose les pieds au sol, allongez vos jambes pour être vraiment relâché. On relâche les épaules, je gère le chrono, il reste 10 secondes. On va se faire encore 2 séries. Parfait, 5 secondes, on se replace, on fléchit. On place les genoux au-dessus des hanches, on allonge les jambes, inspire, expire, go, souffle. Hop, inspire, donc on garde bien une jambe tendue et hop, on amène l'autre genou, tac, en direction de la poitrine. Et on maintient toujours la pause, gainage, inspire, souffle, donc option, vous pouvez redresser la tête, d'accord, parfait, on ramène les genoux vers la poitrine, on pose les deux pieds, on allonge les jambes, on se détend, on se relâche, on démarre ça dans 10 secondes, on se place, prêt, pieds posés au sol, on lève les pieds, inspire, on allonge les jambes, tac, toujours le creux lombaire, go. Soit, souffle, encore, les derniers, allez, parfait, on ramène et on repose, allongez vos jambes un petit instant, hop, on se détend au niveau des hanches, on prend une bonne respiration, parfait, hop, on pose les pieds au sol, on ouvre votre élastique, pivoter toujours sur le côté pour vous redresser. Bien, donc vous pouvez intégrer cette séquence dans votre séance de renforcement musculaire. C'est une séquence que vous pouvez également mettre en place après votre entraînement. Si vous avez des questions ou si vous avez
apprécié vraiment cette séance, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous avez juste une zone de commentaires ci-dessous. Au passage, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez également le lien juste sous cette vidéo vers le site internet roulesurlaforme.fr. Vous y retrouverez bien différents programmes pour entretenir ou améliorer votre mobilité, c'est-à-dire pour bouger mieux, soit au quotidien ou pour bouger mieux dans son sport. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.